walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do, trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do, trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do, I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do, wanna get to touch you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, etc. sous le pseudo Tricomonde Sophie, tout attaché, et toutes les infos sont en fin d'épisode ou dans la barre d'informations sous l'épisode. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas tourné, le temps passe super vite, je crois que c'était mi-juin juste après le Trail Tricot. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, surtout que j'ai quand même pas chômé. Et par contre j'ai pas du tout le temps de tourner un épisode ces derniers temps, notamment pour cause de début de vacances scolaires. Donc comme les filles sont en vacances chez les papy-mamies depuis début juillet, j'ai profité des 3 dernières semaines pour travailler pas mal, faire un peu plus d'heures, enfin j'avais pas mal de boulot. Et donc du coup, en rentrant tard, c'est un peu compliqué de tourner des podcasts, un épisode. Voilà. Sinon, ça va plutôt pas mal. Il fait beau, il fait chaud, d'accord, mais voilà, c'est l'été. Et je suis en vacances cette semaine, et ça c'est super cool. Voilà, donc une petite semaine avec mes pépettes, c'est bien, ça... On va pouvoir se poser un peu, profiter. Ce matin, on glandouille, donc j'en profite pour tourner cet épisode, et voilà. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Pas grand chose. J'ai eu la chance de manger avec Magdalena qui faisait une petite virée en Isère et en Savoie. Donc elle m'a appelé pour proposer de manger ensemble à midi sur Grenoble, donc c'était super chouette. Il y a eu aussi une knit night chez Lana et Tricot, je crois il y a 3 semaines. Et il y avait les Parisiennes, donc quand je dis les Parisiennes, c'est Marie-Amélie et puis... Lily and Her Doggies qui était sur Grenoble, qui était venue voir leur copine Elodie à Knitting Journey, donc c'était super sympa de les retrouver après le trail. Donc voilà, tout, comme toujours chez Anna, on passe un très bon moment, c'était bien chouette. Voilà, donc sinon rien de neuf, donc une petite semaine de vacances pour moi, après je reprends le boulot 2 semaines et je repars 2 semaines, et cette fois on part en vraies vacances avec les filles tous les 4. Voilà pour les news. Sinon, pas grand-chose, donc je vous propose qu'on attaque tout de suite, parce que du coup, ça va être un épisode super long, j'annonce. Je pense qu'il y en aura bien pour 1h30, peut-être plus, on va voir. Je vais essayer d'être efficace, mais c'est pas gagné. Et bah c'est parti, puis on va attaquer du coup par la couture. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors, en couture, je vais commencer par le premier patron que j'ai cousu. Alors ça fait déjà bien un mois, donc j'en ai pas mal parlé sur Instagram. Et j'ai fait un article sur le blog, c'est le patron Sun de P&M Patterns. P&M, c'est pour papillon et mandarine. Donc c'est une marque qui existe depuis un moment, que moi je connais depuis environ 10 ans. J'aimais beaucoup les patrons enfants, donc de Karine. Et là, elle a récemment sorti, donc... ce patron pour femme, qui est un patron modulable, donc qui a la version haut avec ou sans manche, et qui est également déclinable en robe. Je sais pas si on va mieux voir sur le dessin derrière. Voilà, donc moi, gros coup de cœur pour ce patron quand Karine avait fait sa présentation pré-sortie, on va dire.
Donc j'avais participé à un concours qu'elle organisait en disant bah voilà, vous faites un petit commentaire et puis vous pouvez gagner le patron. Il se trouve que j'ai eu la chance de le gagner, donc j'étais ravie, j'ai gagné la version PDF. Et à peine reçue, à peine cousue. Donc j'ai commencé par une version test. Donc celle qui m'avait vraiment le plus plu, c'est la version petit haut. Ou bah, la joie de faire du noir, on voit rien du tout. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai cousu une première version test toute simple en noir dans un très joli tencel que j'avais acheté chez Bordelaise dans la boutique à Voiron. Donc tencel noir, mais il est un peu, c'est marrant, il fait un peu sergé. Enfin, il a un très joli tombé, très agréable à coudre et à porter. Le seul petit reproche que je lui ferais à ce tissu, c'est qu'il marque au fer. Donc en fait, quand je repasse, il faut que je fasse attention à la pendanture. Voilà, concernant le patron, donc j'ai coupé une taille 36 suivant le tableau des tailles et ça tombe impeccable. Donc pour la première version, j'ai suivi les préconisations de Karine concernant l'encolure, puisqu'en fait pour l'encolure, il a trois profondeurs. Il y a sage, sexy et ultra sexy. Et Karine conseillait du coup aux personnes de petite taille, donc moins d'1,65 m comme moi, de faire plutôt la version sage. Donc ce que j'ai fait, donc c'est plutôt pas mal, mais pour les autres versions, j'ai fait la version sexy. Voilà. Donc j'ai mis pas mal de photos sur le blog si ça vous intéresse. J'ai fait un article assez détaillé, j'espère. Donc voilà, je vais passer du coup assez vite sur mes versions de Sun pour passer sur les choses un petit peu plus récentes. Voilà. Donc une deuxième version du haut Sun. Pareil, toujours taille 36, donc cette fois encolure un petit peu plus prononcée. Et un style complètement différent avec cette popeline fleurie que j'ai achetée lors du Trail Tricot à Pauline, donc la mercerie La Rochelle. Voilà, j'avais eu un coup de cœur pour cet imprimé, donc je crois que c'est Art Gallery. Et je crois que c'est Wild Flowers, le nom du motif, le nom de l'imprimé. Donc très joli, j'aime beaucoup, c'est un style complètement différent, mais porté sur un jean, voilà, j'aime bien. Et un décolleté un petit peu plus profond, je ne sais pas si on va voir vraiment la différence, hein, c'est pas gagné. Hein. Mais en tout cas, ça reste quand même complètement décent. Et la dernière version, c'est une version en double gaze de Atelier Brunet, donc les fameuses double gaze Stardust avec les petits pois dorés, la brodée que j'adore, j'adore, j'adore. Non seulement elle est hyper agréable à coudre, hyper agréable à porter, mais alors qu'est-ce qu'elle est vraiment de très très belle qualité. Donc toujours la même version du patron Sun, donc en petit haut, en colure sexy, voilà. Et j'ai fait une finition avec un petit passepoil doré à l'encolure. Voilà, un petit passepoil doré mondial tissu pour rappeler les petits pois dorés. Et j'adore toujours autant ce patron. Et vraiment, je vais absolument me faire la version robe. Donc j'hésite encore entre deux tissus, mais je vous en parlerai après. Voilà donc pour les blouses Sun de PM Patterns, c'est mon patron coup de cœur ces derniers temps, vraiment, voilà, il est hyper bien, il tombe super bien, toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, les explications sont vraiment chouettes, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit déclinable, vraiment je me suis régalée à le coudre et je le referai sans aucun souci. Ensuite j'ai cousu une blouse Scarabée de Delphine et Morissette. Donc j'ai fait, on va dire, une version crash test dans une double gaze bleue outre-mer. Donc c'est une double gaze que j'avais achetée dans je ne sais plus quel magasin, mais j'avais un coupon de 3 mètres, donc ça allait bien pour faire un essai. Voilà. Donc j'ai coupé une taille 34, qui n'est pas ma taille, mais je voulais pas un effet trop ample, parce que c'est quand même une blouse oversize. Et je voulais pas que ça fasse non plus trop parachute. Donc j'ai fait la version avec la patte polo. Il y a aussi une version entièrement boutonnée. Après, je regrette un peu parce que sur la double gaze, c'est difficile d'avoir de très jolies finitions de patte. Voilà. Et je trouve que la mienne, elle est pas très jolie là. C'est une petite bosse. Bon, c'est pas dramatique. Voilà. Après, moi, ce qui me plaît énormément dans ce patron, c'est l'épaule. Voilà, on a une épaule qui est façonnée, qui est vraiment très jolie et ça fait vraiment une très jolie épaule. Je la mettrai tout à l'heure, je vous ferai des photos que j'incrusterai peut-être en même temps, on verra où je mettrai après. Voilà, je vais vous montrer quand même le visuel. Donc la blouse Scarabée de Delphine et Morissette. Voilà.
La dernière fois que j'avais cousu du Delphine Morissette, c'était la blouse pivoine. Donc j'avais eu quelques reproches à faire sur le patron, donc notamment sur le fait que les pièces se superposent, ce que j'avais trouvé un peu désagréable. Et là, c'est pas du tout le cas sur Scarabée. Sur Scarabée, il n'y a aucune pièce qui se superpose. Par contre, il me semble que la patte polo n'est pas prévue dans les pièces patron, donc faut pas se louper. Je crois que c'est le cas, mais j'ai un doute. Et sinon, ben voilà, le pas à pas. Bon, après, moi, les explications écrites, je les trouve un peu succinctes dans son patron, mais elle a un pas à pas vidéo qui est très bien fait. Un pas à pas, pardon, pas vidéo, photo, qui est très bien fait, donc pourquoi pas suivre le pas à pas photo si besoin, quoi. Non, elle est un petit peu technique, parce que c'est vrai que pour réaliser cette épaule proprement, c'est quand même pas évident, et surtout que la double gaze, c'est pas le tissu le plus facile du monde à travailler, moins celle-là. Les doubles gazes un peu gaufrées, comme ça, c'est compliqué, hein. Autant celle d'Atelier Brunette, qui est pas du tout gaufrée, qui est plate, ouais, enfin, je dis plate, je me comprends, hein. Celle-là, elle est très facile à travailler, ça tombe super bien. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et moi, ces doubles gaz-là qui font un peu gaufrer, je les repasse avant de les coudre. Parce que sinon, je trouve qu'après, quand on pique, ça a tendance à s'étaler et les coutures se déforment et on n'a pas ce qu'on. Ça m'est arrivé sur la blouse Eugénie que je ne peux pas porter. Je pense que c'est un problème que j'avais pas assez repassé ma double gaz avant. Voilà, du coup, pour cette scarabée qui est hyper agréable à porter. C'est vrai que là, quand il a fait chaud ces derniers temps, c'était juste le bonheur, on a l'impression d'être. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Parce que j'ai pas fini, hein. Pour un moment en couture, j'ai fait plein de trucs. Toujours, Pauline, la mercerie La Rochette, j'avais craqué sur ce jersey avec des petites perruches que je trouvais vraiment trop trop beau. Donc j'ai acheté un coupon je me suis cousu un t-shirt. Donc c'est le t-shirt saison de MLM Patron. C'était pour changer un peu du plantain. Voilà, j'avais envie d'une petite encolure V. Donc j'ai cousu la taille S et j'en suis super contente. Voilà. Après, j'aime beaucoup, j'ai pas encore osé le porter. Je l'ai porté à la maison, mais au boulot, j'ai pas encore osé. Après, quand je le vois là en vidéo, je le trouve sympa, donc je pense que je vais tenter. On verra. J'aime bien. J'arrive au boulot et puis je vais voir mes collègues et c'est l'indicateur de savoir si je suis folklo ou pas ou si c'est gérable. Je vais faire une pause, mon téléphone sonne. Désolée pour l'interruption. Il faut savoir que quand je suis en vacances, mon mari adore me faire des listes de trucs à faire, genre. L'entretien de la chaudière, appeler pour le bois, enfin voilà, tout un tas de trucs voilà, qu'il faut qu'on s'en occupe. Et on est en vacances, donc on a le temps de faire tout ça apparemment. Voilà, c'est pas grave. Bon, on enchaîne du coup sur ma deuxième cousette. J'avais quand même besoin de t-shirt pour aller au boulot. Et du coup, j'ai testé le modèle Milan de Anne Cardiles, donc que j'avais, je crois, depuis un petit moment, mais que je n'avais jamais cousu. Donc j'ai fait une version jersey, toute simple, bleu marine de mon stock. Donc comme c'est une version jersey, j'ai coupé la taille 34 au lieu de la taille 36, qui est plutôt ma taille habituelle. Voilà, donc j'ai fait une petite version, un petit t-shirt tout simple, tout basique. Alors au niveau des modifications, je n'ai pas posé de parementure, parce que j'avais peur que ça alourdisse un peu l'encolure, et notamment le dos qui est quand même très ouvert. Donc j'ai posé un biais caché sur l'intérieur, qui d'ailleurs est pas très très joli, mais voilà, c'était un peu une version test. Donc plutôt sympa. Après, moi je trouve que l'encolure remonte quand même assez haut devant. Moi ça me coupe un peu au niveau des. C'est pas les omoplates. Clavicules! Merci, les clavicules, voilà. Ça, je sais pas, ça me frotte là, donc je pense que je vais peut-être dégager un petit peu plus l'encolure. Mais bon, sinon c'est un petit modèle basique hyper sympa. Voilà, sur le Milan de Anne Cardiles. Bon, ce modèle est quand même assez connu, mais je vous remontre quand même le patron de la blouse Milan. Voilà. Et j'avais dans l'idée en fait de faire une version où je rajoute un nœud en tissu chaîne et trame derrière, en tissu imprimé contrastant. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà. Ensuite, toujours dans les hauts, j'ai cousu le patron Sirocco de Dessine-moi un patron. Donc voilà, j'ai fait une version test dans un coton
qui est super bien repassé de chez Mondial Tissu. Donc une petite popeline imprimée là qui est rose avec des petites croix grises, noires et jaune fluo. Je ne sais pas si on voit bien le jaune fluo. Donc j'ai coupé la taille 36 et ça tombe plutôt bien. J'ai pas fait les pattes aux épaules parce que je voulais quelque chose de relativement simple, donc j'ai juste fait un petit point pour que ça tienne. Je vous l'avais montré sur Instagram celle-là parce que quand je l'ai cousue, en fait il se trouve que il y a une parementure à l'intérieur, donc une parementure devant qui descendait relativement bas et la parementure d'eau donc qui est là, je ne l'ai pas touchée. Sauf que quand j'ai essayé mon haut, en fait mon tissu était transparent et j'avais l'impression qu'on voyait que la parementure. J'avais une grande trace comme ça, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai hésité à tout défaire, à tout doubler, enfin je me suis posé pas mal de questions et puis finalement en fait j'ai complètement retaillé la parementure. Vous voyez, je l'ai bien réduite ici et ça se voit un peu moins. Ça se voit toujours mais quand même moins, donc bon. Sinon j'en suis plutôt contente de ce patron, je trouve qu'il tombe pas trop mal. Après les épaules sont un peu dégagées, d'ailleurs ça se voit sur le cintre, il fait que de glisser. Donc je pense que pour une autre version je réduirai sur le milieu, là j'enlèverai peut-être un demi voire un centimètre sur le pli. Donc pas très compliqué à réaliser, par contre j'ai quand même un reproche à faire sur le livret d'explication que j'ai trouvé pas terrible quoi. Visuellement c'est pas qualitatif, c'est un peu, je l'ai trouvé pas chouette quoi, pas, bon j'aime pas dire ça mais voilà, il y a quand même quelques temps où comment dire, je vais essayer de formuler ça de manière diplomatique et élégante. On reproche quand même à Instagram, aux podcasteuses, de ne dire que des choses bien, que des choses belles, de ne montrer que des choses qui vont, voilà, et de ne pas parler de ce qui ne va pas. C'est toujours très délicat de critiquer un créateur de patron indépendant, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, et je parle en connaissance de cause, puisque vous savez que, pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai mon amie Marisa, donc MLM Patron, qui a sa marque, et c'est toujours pour moi délicat de critiquer le travail d'un créateur de patron quand je vois et que le travail qu'il y a derrière, parce que Marisa c'est pas son activité principale, elle a un métier à côté, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et c'est voilà, je pense que critiquer, il faut que ça soit quand même justifié et surtout que ça soit dit de manière constructive et pas de manière assez agressive et gratuite. Voilà. Donc là, je vais être honnête, moi j'ai trouvé que autant le patron est top, autant les explications, le livret, c'est pas chouette quoi. C'est pas chouette parce que les photos sont pas super, les explications c'est un peu succinct, c'est des schémas faits à la main, enfin c'est. Moi j'ai trouvé que c'était pas génial. Après c'était son premier patron. Peut-être qu'il n'est pas aussi travaillé que les suivants, c'est le seul que j'ai fait, donc je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas lu en main le cahier technique de la Reblif, donc pour celles qui ont cousu des patrons, dessinez-moi un patron récemment, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Voilà, j'étais un peu déçue sur la qualité du livret technique, pas sur le patron lui-même que je trouve très bien, sauf cette histoire de voilà qui tombe un peu trop sur les épaules et du coup je le reprends, mais ça c'est peut-être juste une question de morphologie. Voilà, donc pour clore le sujet des critiques. Ah, mais bon après c'est toujours intéressant aussi parce que si on dit que les choses bien, voilà, c'est quand même pas non plus totalement partiel. Bon. Bref. J'ai quand même réitéré ce top Sirocco en version robe. Donc ça va être un peu compliqué à montrer, mais j'avais un très chouette. J'ai que des trucs super jolis, super chouettes, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est intéressant au niveau vocabulaire chez moi. Bref. Et bref aussi. Donc j'avais un coupon en stock de jersey rayé de ma petite mercerie qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup déjà, j'aime bien l'espacement des rayures, la qualité est sympa, il est léger quand même, hein, aspect tricot. Donc j'ai cousu la robe sans marge de couture, si je me rappelle bien, parce que les marges ne devaient pas être incluses dans le patron. Et du pour comme c'est une version jersey, enfin je vous dis peut-être une bêtise, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai faite. Hein. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est que je voulais avoir un effet plus ajusté que l'autre.
que l'autre top en popeline. Donc j'ai donc fait la version robe maxi. Donc j'ai rallongé sur toute la hauteur de mon coupon. Je crois que j'avais 2 mètres de. Je vais essayer de vous la montrer un peu. Bon, je ferai des photos portées, ça sera plus simple. Voilà. Donc toujours aussi sympa à réaliser. J'ai toujours pas fait les pattes que j'ai fixé les épaules. Voilà, j'ai fixé à l'épaule le petit revers. Par contre, j'ai quand même pas mal réduit sur les côtés pour avoir un effet bien ajusté, bien cintré. En fait, j'ai fait la version taille 30, 36. Après, j'ai enfilé la robe et sur moi, j'ai marqué des épingles avec des épingles pour bien reprendre à la taille pour qu'elle soit plus ajustée. Et sur le bas, j'ai fait une fente. Voilà, il y a un endroit où je n'ai pas cousu. Oui, j'ai même pas fait. J'ai laissé tous les bords à cru. Voilà, j'étais tellement pressée de la porter celle-là que je l'ai fait un matin avant de partir, un samedi matin avant de partir en week-end et j'ai pas fait les finitions. Idéalement, il faudrait que je fasse un petit revers, un ourlet. Bon, bref, c'est pas la cata. Mais voilà, j'en suis très contente. Elle est très belle. Voilà, elle me plaît beaucoup celle-là. Elle est très agréable à porter. Cette robe Sirocco. Voilà, et j'ai encore fait une robe. Je sais, j'avais dit il y a quelques temps que ça ne servait à rien que je fasse des robes, puisque je ne porte pas de robe au travail, que c'est quand même pas pratique. Ben, au final, je porte plein de robes. J'ai envie de porter que ça, et puis finalement, tant pis, hein, c'est pas pratique, mais j'en mets quand même de temps en temps, et puis s'il y a besoin, je me change. Hein. J'ai toujours mon bleu de travail qui traîne dans le bureau au cas où. Oui, parce que j'ai un bleu de travail. Voilà. Donc, la deuxième robe que j'ai faite, c'est la robe. Ça va me revenir. Aldaya de Polynalis. Donc quand je suis allée chez Mondial Tissu il y a quelques temps pour les soldes, j'avais repéré ce coupon qu'on a déjà vu chez Alice du Lapin d'Alice, qui l'a aussi utilisé pour une robe Aldaya. Donc j'ai pas fait tout à fait la même version pour pas la copier complètement. Moi j'ai fait la version B, donc le haut B et le bas B. Donc c'est-à-dire que j'ai fait le haut en version cache-cœur. Avec les petites sans emmanchure, enfin sans manche. Et pour le bas, j'ai fait la version. Alors je sais pas si c'est la jupe crayon, mais c'est la jupe longue avec les petites fentes pareil sur les côtés. Voilà, donc j'ai coupé la taille 38, puisque c'est les versions, c'est les tailles que j'avais déjà décalquées du patron. Enfin pas décalquées, mais imprimées. Et qui me va plutôt bien, et j'avais peur que ça soit trop moulant quand même. Jersey, moi j'aime pas que ça colle de partout, mais du coup en 38 là c'est impeccable. Hein. Enfin, j'ai quand même bien, j'ai fait un 38, hein, on va dire bien large hein, sur les marges, hein, j'ai bien raboté donc c'est peut-être on va dire un 37. Petit clin d'œil à Alice. Voilà, donc j'en suis ravie, elle tombe super bien, j'aime beaucoup et je pense que je vais me refaire une version unie. Voilà, je vais vous incruster soit des photos, soit une vidéo. Elle est très très belle. Enfin, moi c'est un vrai coup de cœur cette version de la robe Aldaya. Voilà, pour les projets finis, c'est déjà pas mal du tout, hein, il me semble. Ensuite, pour les encours, je suis en train de coudre une chemise. Chose promise, chose due. Ça faisait un moment que j'avais dit à mon homme que je lui ferais une chemise. Et j'ai décalqué la chemise, l'élégant des beaux gosses. Voilà. Donc, la chemise, l'élégant, en taille L. Je suis en train de lui faire la coupe ajustée, mais je ne vais pas faire les pinces dans le dos, je pense, pour qu'il soit quand même un peu à l'aise. Et j'ai plutôt pas mal avancé, puisque j'en suis là. Voilà, j'ai fait le col, j'ai monté les manches. Il va me rester à faire les poignets. Et puis les finitions sur la patte de boutonnage. Alors, moi j'ai fait quelques modifications, mais je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. L'idée c'est qu'en fait, il est la patte de boutonnage du dessous qui soit noire, contrastée. On verra ce que ça donne. Voilà. Sinon, je suis très très contente de ce patron. Enfin, il a l'air de tomber bien vu les premiers essayages. J'aime bien aussi la façon dont c'est monté. En fait, c'est la première fois que je monte une chemise comme ça. On commence par le col, alors ça c'est la première fois, c'est rigolo. Et par contre, il y a quand même des montages que j'ai trouvé bien, notamment sur l'épaule. Le fait de faire un repli avec le parmando et une piqûre nervure. Il y a d'autres finitions que j'ai trouvé pas mal, ça ne me revient pas comme ça. Sur le col, je crois.
Ouais, il me semble que c'est sur le col. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fini, plutôt bien expliqué. Pour l'instant, très contente. Voilà, donc ça risque de devenir un basique. Donc ça, c'est pour les encours, couture, dans les projets. Donc j'ai quelques achats. Donc quand j'ai fait les soldes chez Mondial Tissu en achetant le jersey de la robe, j'ai aussi craqué là, pour ce petit coupon avec des petites montgolfières. Et je me referais bien une petite blouse Syracuse dedans. Je trouvais que ça serait vraiment sympa là pour l'été sur un jean tout simple. Pas une Syracuse, pardon, une Sirocco. Donc une blouse Sirocco. Et puis j'ai été contactée par les filles sans bobine, donc la boutique à Neuville-de-Poitou, je crois. Donc elles m'avaient proposé en fait un petit partenariat. Donc elles me proposaient de choisir ce qui me plaisait dans la boutique. Et puis comme ça, c'était échange de bons procédés. Je faisais un peu de pub et puis moi, ça me permettait d'avoir un de leurs tissus. Voilà. Donc j'étais super contente, voilà. Et je les en remercie, je suis ravie. Donc j'ai pris ce coupon de voile de coton là. J'ai pris 2 mètres avec des petits arbres. Si je vous les montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, que je trouve mais vraiment super beau, ces petits arbres là. Et je pense qu'il va être bien pour une robe. Je ne sais pas encore laquelle. Alors ça sera peut-être une sonne. À voir s'il n'est pas trop transparent quand même. Hein. Mais je pense qu'avec les arbres, ça devrait aller. Sinon, je doublerai. Donc peut-être une robe sonne. Ou alors une autre robe, mais voilà, Après, si ça vous inspire d'autres idées, moi je suis preneuse, mais je sais pas pourquoi je le vois bien vraiment en robe cet imprimé-là. Petite robe légère. Et puis, comme c'était la semaine où elle faisait les frais de port gratuits, j'en ai profité pour passer une commande et j'ai commandé la double gaze atelier brunette, comme je suis originale, mais qu'est-ce que je l'aime ce tissu! Voilà, donc j'ai pris le vert émeraude. Ou faire forêt, je sais plus, que je trouve sublime. Et je pense que je vais aussi faire une robe. Genre la robe sonne au hasard. Non, je sais pas, je vais voir. Probablement, mais je peux encore changer d'avis. Ensuite, dans les projets, qu'est-ce que j'ai à faire? Plein, plein, plein de choses. Mais j'aimerais énormément me refaire une robe Imagine de Louis-Antoinette. Alors là, je vais vous montrer la fameuse robe. Qui a eu énormément de succès, elle vous a beaucoup plu quand je l'ai montré, je crois que c'est dans mon dernier ou avant-dernier épisode de podcast. Voilà, j'adore cette robe, mais pour moi, il y a un vrai problème sur ce patron. J'ai coupé le 36, qui est ma taille habituelle, elle tombe bien, il n'y a pas de souci, je l'ai réessayé quand même par acquis de conscience. Après, moi j'ai un vrai problème avec les manches. Parce que ces manches tombantes comme ça, ça a un défaut, c'est que quand on bouge beaucoup comme moi, qui suis limite hyperactive, qu'on bouge les bras, etc., et ben ça se déforme. Et moi j'ai craqué ma robe. Et franchement, je suis écœurée parce que je l'ai portée, je sais pas quoi, une journée et demie. Et vous voyez, la dernière fois quand ça fait craque dans mon épisode de podcast, et ben c'était là, c'était ici le craque. Donc j'ai quand même vraiment les boules parce que c'est pas récupérable. Et de toute façon, même si j'arrivais à réparer, j'aurais de nouveau le problème. Donc, hyper, hyper déçue. Mais je ne vais pas me laisser abattre parce que ce patron, je le trouve quand même super. La robe, elle tombe hyper bien. J'ai eu plein de compliments. Donc, je vais la refaire, mais dans un tissu avec de l'élastane, quoi, pour pouvoir avoir un peu de confort et éviter que ça recraque. Voilà, donc j'attends de trouver le bon tissu, mais bon, c'est. Voilà, je pense la refaire assez prochainement, assez rapidement. Et je crois que c'est tout pour la couture, et c'est déjà pas mal du tout, puisque je pense que ça va durer une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Et il me reste encore plein de choses à vous montrer en tricot. Je réfléchis, voir si j'ai d'autres petites choses à vous dire, mais je crois que c'est tout. Eh bien, je propose qu'on passe tout de suite à la partie tricot. Et donc, c'est parti pour le tricot. Alors, en tricot, j'ai 3 projets finis à vous montrer. Oui, c'est énorme. Voilà, puis en plus, c'est des grosses pièces, hein. J'ai 2 gilets et un pull. Bon. Le premier, c'est un test que j'ai fait pour Marion Crivelli, donc Marion Knits. C'est le gilet Pisces. Je pense que ça se prononce comme ça.
Voilà. Donc, je l'ai fini depuis un petit moment. Je l'ai juste avant sa sortie. Coup de bol. Voilà. Donc, je vous le montre. C'est un gilet avec une grande encolure, très féminine, très long, puisque moi, il me descend à peu près au milieu des fesses. Et qui se compose de beaucoup beaucoup de dentelles, de points de blé. Enfin, il y a énormément de détails sur ce gilet. Et je crève de chaud. Je prends sur moi hein, pour vous montrer voilà ce qu'il faut pas faire pour la gloire. Des fois, je me fatigue. Bon. Du coup, soyons un peu sérieux 5 minutes. Pieces, donc c'est un gilet que j'ai tricoté moi en taille XS suivant le tableau des tailles. C'est vrai que Marion. Sa taille peut être un peu grand, on va dire. Donc, voilà, moi j'ai fait du coup une taille en dessous. Je suis plutôt dans les S d'habitude, quoique. Je sais plus où j'en suis. C'est bien compliqué ce retour, hein. On sent que ça fait un mois et demi que j'ai pas tourné, hein. J'ai l'impression de raconter plein de bêtises. On reprend. Donc, je l'ai tricoté en madeline, en malabrigo de soc que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Et le coloris, c'est Ravelry Red. Donc, voilà. J'aime beaucoup le rendu. La couleur est super belle et je suis très contente en fait. Moi, pour ça va pas le faire. Hein. Pour un gilet comme celui-là, avec énormément de travail, énormément de détails, moi je suis plutôt partie sur une couleur qui pète pour pas faire trop, trop tristoun. Voilà, je voulais que ça mette un peu en valeur. J'avais pas de gilet rouge, je crois. Voilà, donc un très joli motif dentelle. La construction est hyper intéressante. Je ne veux pas tout vous détailler, mais en gros, on commence par tricoter, je crois, le haut des manches. Après, on vient rajouter les bouts des devants, le dos. On rassemble tout en même temps. Enfin, c'est une construction vraiment sympa, quoi. Un peu à la Marie-Amélie, hein, pour celles qui ont déjà fait du Marie-Amélie Bizet. Donc, très très jolie construction, c'est intéressant. Beaucoup de boulot, hein. Moi j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé parce que ça fait quand même un petit moment que je ne tricote que des projets, on va dire, basiques, avec un peu de dentelle, un peu de détails, mais pas trop compliqué. Et là, avoir que de la dentelle, puis c'est. En plus, la dentelle, elle est quand même pas simple puisque c'est une dentelle aller-retour. Hein. C'est pas que des mailles envers sur l'envers. Hein. Donc il faut quand même se concentrer, même si bon, elle n'est pas hyper compliquée, on la retient assez facilement. Mais il y a quand même du boulot. Voilà, moi, ça, c'est là où ça m'a donné du fil à retordre, parce que c'est dans une période où j'étais quand même relativement fatiguée le soir après ma journée de boulot et j'étais pas toujours hyper, hyper attentive. J'ai dû défaire 2, 3 fois quand même. Non, et puis, bon, voilà, je suis très très contente du résultat, je le trouve très beau. Voilà, je ne regrette pas du tout l'investissement mental que ça m'a pris. Non, c'est un beau projet, je pense que. De temps en temps, faire un projet technique, c'est quand même valorisant, quoi. Ça fait du bien. Voilà, j'ai fait un article sur le blog, donc vous pouvez retrouver toutes mes explications, tous les détails. J'ai fait aucune modification, si ce n'est qu'il est plus court que la version proposée par Marion, parce que bon, je suis pas bien grande, puis je voulais pas d'un gilet ultra long. Voilà, non, très très contente. C'était la première fois que je testais pour Marion et je crois qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux, mais je vous en parlerai un peu plus tard, quand ça sera le moment. Sinon, le deuxième projet fini, c'est mon gilet Winterfell de Catherine Schneider. Voilà, que j'ai fini, je crois, il y a à peu près un mois, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer. Donc celui-là, en fait, je l'ai commencé quasiment. En parallèle du gilet Pieces, mais il y a des moments où quand j'allais au tricoter ou où j'avais besoin d'un tricot pas trop compliqué, donc j'ai commencé ce gilet-là et je l'ai essentiellement en fait tricoté pour des événements, donc soit un tricoté, soit la journée mondiale du tricot à Voiron avec ma copine Marisa, ou au trail tricot, c'est celui-là que j'ai emmené, et j'ai fini le corps d'ailleurs dans la voiture en revenant du trail, ça a donné lieu à une photo sympa d'ailleurs sur Instagram. Et après, il me restait que les manches à faire. Voilà, alors, maintenant on va parler en détail, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je l'ai tricoté en taille XS, et au niveau de la taille, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous avais dit que j'avais a priori perdu quand même un peu de poids, minci. C'est lié, je pense, à la pratique de
de sport, hein. Je refais pas mal d'escalade en ce moment. Et du coup, bah, ça gaine, etc. Et ça fait perdre des seins aussi. Mais ça, c'est le deuxième effet qui se coule moins agréable. Bon, bref, du coup, XS maintenant. Mais par contre, en taille XS, je le trouve vraiment ajusté. Il est hyper chouette, quoi. Je suis très contente. Voilà. Alors, on va parler du patron et ensuite on parlera de la laine. Donc, je l'ai tricoté en taille XS. Il faudra peut-être que je fasse quand même une taille S pour les bras, pour que ça soit un peu moins serré. Hein, parce que du coup, l'escalade, ça fait des gros bras aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors moi, je l'ai tricoté en rond. C'est-à-dire que normalement, un gilet, ça se tricote en aller-retour. Voilà, on fait des allers-retours, on s'arrête quand on est à peu près à la bande, quand on est au milieu. Sauf que moi, j'avais pas envie. Et en voyant l'épisode de Cécile que font mes mains, qui avait fait son gilet, je crois que c'est le Dandelion, qu'elle a fait le dent de lion en rond, qu'elle a stické. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stick, pour celles qui ne savent pas? Un stick, en fait, ça consiste à sécuriser son tricot et le couper. Et ouais, donc comment ça marche? En fait, pour faire un stick, on tricote son gilet en rond, comme un pull, sauf que pour ça, on rajoute au milieu des mailles supplémentaires qui sont destinées à être coupées et rabattues sur l'envers du tricot. Donc, je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous expliquer comment j'ai procédé pour le stick. Je suis pas sûre de l'insérer dans cet épisode parce que sinon, je vais faire un épisode à rallonge, mais je ferai du coup une vidéo tutoriel à part. Donc en résumé, pour faire vite quand même, j'ai rajouté moi 5 mailles au milieu de mon pull. La maille centrale, c'est celle que j'ai coupée et j'ai sécurisé les mailles sur les côtés. Donc j'ai sécurisé la machine à coudre en faisant un point zigzag bien serré. Le point droit sur une laine superwash comme ça, c'est pas suffisant. Il faut quand même vraiment un point zigzag très très serré. Donc j'ai sécurisé. J'ai découpé et vous voyez au niveau de la finition, je ne sais pas si on va bien vouloir faire le zoom, c'est quand même plutôt propre. Hein. Voilà. Donc j'ai rabattu moi mes mailles. Quand j'ai relevé ma bande de boutonnage, ça m'a naturellement rabattu mon rang sur l'envers. Donc vous voyez, les mailles, elles s'en vont pas, elles sont quand même bien sécurisées, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je suis très contente parce que du coup le pull, enfin en rond, on n'a pas de rond en vert à faire, ça avance bien. Alors moi c'est pas tellement une question d'aller vite, c'est surtout une question de différence de tension. Parce qu'avec la méthode continentale, moi j'ai déjà constaté, c'est très visible sur mon pull Boxy de Rory Locatelli, que moi sur les rangs en vert j'ai une tension qui est un peu plus lâche et du coup on voit que mon tricot est pas régulier. Donc pour avoir un tricot bien régulier, j'ai préféré le tricoter en rond et du coup faire un stick. Voilà. Mais bon, l'avantage c'est que ça va aussi plus vite. Alors, j'ai pas fait de modification à part le fait de le tricoter en rond, bien sûr. Je l'ai un petit peu rallongé, il me semble, parce que le modèle d'origine est quand même très très court. Et par contre, j'ai fait un oubli. C'est que j'ai oublié de faire la maille lisière sur le côté. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça aurait peut-être été plus joli pour faire la fausse couture, quoi. L'effet fausse couture. Voilà, donc pour la taille XS, j'ai utilisé moi 2,5 échevaux de laine Arco Iris Yarn. Je crois que j'avais l'étiquette, mais j'ai oublié. Ah, elle est là. Je bouge. Alors, j'ai utilisé 2,5 échevaux, hein, à peu près, parce qu'il m'en reste pas mal, du coup, de ça là. Ah, qu'est-ce que ça sature, il fait rouge, rouge sang, quoi. Et d'ailleurs, c'est le coloris, c'est au plus. Donc, Arco Iris Yarns, et c'est la base Dr. Wool. Donc, Dr. Wool, c'est la base 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, 2,5 échevaux, coloris au plus. Le coloris, il est magnifique. J'en suis très, très contente. Et voilà. Donc, j'ai mis des petits boutons que j'ai trouvés chez Mondial Tissu. Je sais pas. Pas si ça ira, j'ai l'impression qu'ils sont un peu petits quand même. Hein. On verra. Et moi, j'ai pas modifié l'encolure. Ça me dérange pas d'avoir une encolure qui remonte bien comme ça. Donc on verra. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. J'ai pas eu de soucis moi avec la maille glissée. Voilà, que je trouve vraiment super belle. Ça rend vraiment. C'est canon cet effet, moi j'aime beaucoup.
Voilà, j'ai pas eu de soucis pour tricoter cette maille. Je sais qu'il y en a qui ont un peu buggé, mais moi c'était pas trop le cas. Voilà, donc très joli projet ce vitamine, pas vitamine D, ce Winterfell cardigan. Et du coup, ça me fait deux gilets rouges. Un peu monomaniaque, hein, vous avez déjà remarqué avec ma période verte, là c'est ma période rouge et j'ai aussi ma période bleu dur, bleu électrique. Ce matin, j'ai fini un autre projet. Alors, vous avez de la chance, je vais le montrer. C'est un projet de test. C'est pour Nadia Crétin-Léchaine, mais ce n'est pas un test secret. Par contre, je vais vous le montrer rapidement. J'en reparlerai beaucoup plus longuement pour sa sortie. Donc, c'est un pull qui s'appelle Ordinary Love et c'est un pull marinière. Donc voilà, je l'ai terminé tout juste ce matin et je pense que je vais l'adorer ce pull. Je vais le porter énormément. Alors, je vous le montre vite fait comme ça. J'ai utilisé deux laines de chez Laine Amourée. Donc le gris, c'est à la croisée des vents comme couleur. Et le bleu qui varie sur le gris, là, une laine très mélangée, c'est, enfin variée, c'est Méditerranée irisée. Donc pour les deux laines, c'est de la base Gaïa. Donc c'est la base Mérino Soie, si je me rappelle bien, en single. Voilà, je vous montre mon petit reste, mes petits restes. Donc j'ai utilisé un écheveau et demi, puisque je crois que là il me reste 40 grammes, et là il me reste pareil, 40 grammes. J'ai utilisé un peu plus d'un demi-écheveau. Voilà, j'aime beaucoup les deux couleurs associées ensemble, ça rend vraiment bien, je suis très très contente. Ça va faire un joli pull printemps-automne, là, ou même pour les soirées fraîches d'été. Donc là, le pull, bon, je vous le remontrerai plus tard, je ne vais pas insister non plus, même si ce n'est pas un projet secret. J'ai tricoté en taille XS, j'ai fait la seule modification que j'ai faite, moi, c'est de rallonger les manches parce que je voulais utiliser quand même un maximum de laine et puis moi, mes pulls, je ne les porte pas en manche 3 quarts. Et j'ai aussi augmenté du coup les sections de rayures parce que normalement les sections de rayures s'arrêtaient là et puis ensuite on avait le poignet, on va dire ici. Moi, comme j'ai rallongé, j'ai aussi rallongé les rayures pour que ça corresponde aux rayures du corps parce que je trouve que l'effet il est sympa quand. Quand on aligne à peu près les rayures entre le corps, voilà. Donc, à faire, à suivre, je pense qu'il sort au mois de septembre. Donc, ça y est, j'ai fini mon test, j'ai rendu ma copie, je vais pouvoir attaquer les autres. Parce que du coup, j'en ai encore trois. J'en ai deux pour septembre et un pour octobre. Bon, on en reparlera. Voilà pour les projets finis. Et du coup, comme c'est fini de ce matin, je n'ai plus rien sur mes aiguilles. Chose complètement hallucinante, mais ça ne saurait tarder. Alors, mon prochain projet, c'est le pull lichen de Nadia Crétin-Léchaine. On ne change pas. Donc, vous l'avez peut-être pas mal vu à sa sortie. Il a été très joliment présenté par Magdalena du Triple L de Mag, dans une version rose super belle. Donc, moi, je vais le tricoter. Dans une laine de la pelote vagabonde coloris poisson d'avril. Donc voilà, Magdalena, le mien, il est quand même vraiment plutôt gris-vert. Hein. Il tire quand même vraiment sur le vert. On voit bien que c'est pas du tout le même coloris que le tien. Donc ça, c'est mon maxi échantillon. Excusez-moi. Donc je vous rappelle que moi, je fais des échantillons sur quasiment 20 cm de large. Parce que. Je me suis rendu compte que quand je tricote, en fait, si je tricote sur un nombre de mailles réduit, le temps que je prenne le coup de main à faire mon mouvement, en fait, j'ai pas du tout la tension, on va dire, ma vitesse de croisière. Donc moi, je fais mes échantillons sur 20 cm pour que ça soit plus représentatif de ce que j'ai quand je tricote, on va dire, de façon normale. Je fais mes échantillons en rond, donc pour tricoter toujours. Mes rangs dans le même sens. Et là, j'ai trois numéros d'aiguilles différents. Je crois que j'ai 3,5, 3, et j'ai même fait un 2,5 parce que moi, je tricote quand même lâche et je voulais voir ce que ça donnait. Il y a certains modèles où il faut un petit nombre de mailles où ça passe pas. Donc je pense que là, je vais le faire du coup, vous m'en fichez, mais je vais le faire en 3,5. Voilà, ça devrait monter assez vite. Et pour les prochains, je ne sais pas encore, mais j'ai quand même pas mal de tests. Donc voilà. Maintenant, comment dire?
J'ai quand même vraiment pas été raisonnable du tout sur les achats de laine. C'est pas comme si j'avais des paniers de laine qui débordent. Je vous ai montré des tonnes et des tonnes d'achats de laine depuis le début de l'année, mais n'empêche que je suis incontrôlable. J'adore acheter de la laine. Et en plus, je m'étais fait des listes de teinturières chez qui je voulais absolument acheter pour changer un peu, parce que j'achète quand même régulièrement chez les mêmes. J'ai fait ma petite liste et puis en faisant ma liste, j'ai commencé à regarder en me disant ah oui, mais chez une telle, j'aimerais bien ça, ça, ça. Voilà, et puis j'ai craqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un moment, j'ai perdu le contrôle. Voilà. J'ai acheté tout ça. Bref. On en parle. Et comme dirait un de mes collègues, quand j'achète une paire de chaussures, etc., il me dit ça coûte moins cher qu'un psy. J'aime beaucoup. Donc, les premiers achats que j'ai faits, c'est chez Big Bad Yarns, quand elle a fait son update. Et j'ai acheté ça. Et ça, c'est juste de la tuerie en barre, c'est de la Delicatessen Fingering. Donc si je vous donne le détail, c'est 70% alpaga, 30% soie, 10% cachemire. 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Donc, Imogen, Big Bad Yarns. Et donc le coloris, c'est Dr. Wu. Alors, concernant le coloris, moi ça fait quand même assez longtemps que je suis à la recherche d'un bleu électrique. J'avais très envie d'un bleu dur. Moi je porte très très peu de bleu. Je porte du marine, du bleu foncé, mais du bleu, on va dire des bleus ciel, etc. C'est pas une couleur que j'aime porter. Et du coup, j'étais quand même assez intriguée par ce coloris Dr. Wu. Et du coup, quand j'ai croisé Imogen au trail tricot, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, j'avais quand même repéré ce coloris. Après, j'avais quand même un doute parce que je le trouvais un peu clair. Donc, elle a fait son update et dans son sa vente, il y avait du Dr. Wu. Donc, je me suis dit, allez, bah, écoute, pourquoi pas tester, et voilà. Et donc j'ai reçu mes écheveaux que je trouve vraiment magnifiques, ils sont super beaux. La couleur est très belle, après, on va être honnête, c'est un tout petit peu plus clair que le bleu de mes rêves. Moi le bleu de mes rêves, en fait ça serait même beaucoup plus foncé quoi. Moi le bleu de mes rêves, il se rapproche plutôt de ça quoi. Après il est très beau, hein, je vais le garder, hein, vous en faites pas, je vais quand même le tricoter. Voilà, mais je ne désespère pas de trouver le bleu de mes rêves. Donc très très jolie laine de chez Imogen, Big Bad Yarns. J'ai pris 3 écheveaux, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais je pense que ça sera plutôt un gilet. Peut-être le Sirva de Marie-Amélie. Ou alors, je ne sais pas, encore, je me suis fait une liste avec des projets, mais ça change tellement souvent. Que... On verra. Voilà, très très... Donc une des teinturières que j'avais envie de tester cette année, donc je suis contente. Une autre teinturière que j'avais mis dans ma liste, c'était... de Woolly Skine. Donc c'est Angélique qui a un très joli compte, c'est Neige de Louange ou de Woolly Skine, que je suis depuis longtemps. Et donc j'ai craqué pour ces 3 écheveaux de laine 100% mérino. Et le coloris c'est balai. En fait ça faisait très longtemps que je regardais les laines d'Angélique sur sa boutique Etsy. Mais j'avais jamais la couleur que je voulais ou la quantité que je voulais. Et puis un jour, voilà, je lui ai envoyé un petit message en me disant bah, « Si jamais tu teins le coloris balai, ça m'intéresse, tu me fais un signe. » Et là, elle me dit « Mais tu sais, j'ai des écheveaux en stock à teindre. Donc, si tu veux, je te les fais tout de suite. » Comment dire que le petit diable qui était assis sur mon épaule m'a regardé et m'a dit « Non mais attends, pas déconner, vas-y quoi, elle te les propose tout de suite. » C'est pas comme si je venais d'acheter de la laine, mais c'est pas grave. Donc j'ai craqué. J'ai acheté mes écheveaux, donc c'est sa bague Finger Crossed. J'adore parce qu'elle a des noms super sympas de laine aussi. C'est comme chez Arco Iris, les noms des bases sont hyper, hyper marrants. Donc Finger Crossed, dans le coloris balai. Et ça c'est du super beau, c'est un rose poudré comme j'aime. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je pense que ce sera un pull un peu boxy. Peut-être le Puntilla. En même temps tout le monde a fait le Puntilla en rose, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je connais personne dans mon entourage qui a un pull comme ça, rose. Voilà, donc bien. Et puis, j'ai aussi eu l'opportunité de commander de la graine de laine. Ça va être pour un test avec quelqu'un, je ne vous dis pas qui.
Mais du coup, j'avais l'opportunité de commander chez Graines de Laine et j'ai commandé de la Badiane, qui est la base 75% Merino, 25% soie fingering. Donc c'est pas de la single là, c'est de la tordue, mais elle n'est pas très retordue, j'aime bien. Et alors, il n'y a pas de nom de coloris, je sais plus, je crois que c'est le coloris numéro 6. Elle ne met plus de nom de coloris, mais c'est un très joli gris, très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça sera pour un pull en test. Voilà. Badiane de Graines de Laine. Et donc c'est 400 mètres pour 100 grammes, figurine. J'aime bien les petites étiquettes avec le lapin. Voilà, et bon, j'allais pas m'arrêter en si bon chemin, hein, parce que vraiment, je craque. Quitte à le faire. Hein. En fait, j'avais acheté il y a quelques temps, quelques mois, un bundle, donc c'est-à-dire un paquet de mini chez Lana et Tricot, donc dans les tons de gris et rose. Et donc, comme j'ai pas mal de laine, que je refaisais un peu l'étendue des dégâts de mon stock, que je me demandais ce que j'allais en faire, je retrouvais cet écheveau, ce petit bundle là de mini, et j'étais pas complètement décidée sur leur utilisation. Comme c'est un gradient, je voulais vraiment les utiliser en dégradé. Bon, là, je les mets pas dans le bon ordre, mais vous voyez, je trouvais que la variation elle était quand même vraiment sympa et qu'il fallait l'utiliser. Et j'avais pas envie de faire un châle. Quoique ça peut encore changer d'avis, mais j'étais plutôt partie sur un pull. Et donc pour un pull, du coup, il me fallait deux autres écheveaux. Donc j'ai longuement hésité entre partir sur une base claire ou sur une base foncée. Et du coup, je suis partie sur le clair. Donc j'ai recommandé deux écheveaux de la même couleur que le mini clair. Donc le coloris, je crois que c'est Snow Illusion, c'est même sûr. Donc c'est de la Martin Slab, je ne sais pas si je vous le dis. Donc Martin Slab, c'est une marque que revend Anna. Et pour info, Martin Slab, en fait, c'est le mari de Justyna Lorkowska. Justyna Lorkowska, c'est aussi la créatrice de... C'est Lettonitz, son pseudo. Et c'est la créatrice du Buccaneer Shawl, du Mascotte, enfin, elle a quand même pas mal de patrons à son actif. Voilà. Et Martine, c'est son mari qui teint de la laine. Voilà. Donc, j'ai commandé directement sur le site de Martine Slab. J'aurais pu demander à Anna, mais elle les avait pas, elle en stock, et puis je voulais pas l'embêter. Voilà. Et puis, comme ils étaient dispo tout de suite chez Martine Slab, j'ai commandé, et puis voilà, ils sont arrivés il n'y a pas bien longtemps. Alors, j'ai plusieurs idées. Soit je fais une marinière moderne, ou style marinière moderne. Soit je fais le pull dessine-moi un mouton, donc en base claire avec des contrastants comme ça. Soit le pull Camaro, que j'ai beaucoup aimé chez Rachel Saisiepa. Donc je pourrais faire la version dégradée, du haut vers le bas, une bande de rose et après je repars en blanc, enfin en gris très clair. Voilà, je ne suis pas complètement décidée, mais voilà, au moins j'ai mon combo en stock parce que le jour où je serai décidée à en faire quelque chose, peut-être que la laine ne se fera plus, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour il y aura pénurie de moutons et là je serai vraiment triste. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'avais fait une commande chez Lily comme tout. J'avais acheté des très jolis anneaux marqueurs, des pompons, enfin plein de petits trucs. Et j'ai craqué aussi pour ce kit chaussettes de Wool and the Gang. J'aime bien les chaussettes Graou. Graou, Graou, tcha-tcha-tcha, n'est-ce pas, Mélise? Donc moi j'ai pris le coloris Cooper, 4 Cooper il me semble, ou Cooper 4, je sais plus. C'est pas marqué. J'ai vachement hésité avec le rose, et c'est vrai qu'elles sont super jolies hein, chez Mélise en rose, mais bon voilà, c'est comme ça, je recommanderais. Donc moi je crois que le kit est à 10 euros si je me rappelle bien. Voilà, ça fait pour les chaussettes, parce que ça fait, on va dire, 6 mois que je dis que je vais me mettre à tricoter des chaussettes, donc là voilà, j'ai plus d'excuses, j'ai tout ce qu'il faut, surtout que j'ai plein de laine à chaussettes, plein de restes à utiliser. Et ben, je crois que je suis arrivée au bout, ce qui est déjà pas mal. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. En tout cas, je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Moi, je vais bien m'amuser à faire le montage parce que je pense que j'en ai un pour un moment. Et d'ailleurs, à propos de montage, sur les derniers épisodes, vous avez vu, j'ai changé un peu la présentation. J'ai fait une intro un peu longue avec de la musique. J'ai eu des bons retours par rapport à ça. Donc, si jamais vous voulez que je continue, n'hésitez pas.
Si vous aimez bien aussi, pour le dernier épisode, j'avais mis directement en intro des vidéos ou des, non, des photos. J'avais mis des photos avec mes projets portés, avec mes achats de laine. Si ça vous plaît, que je les présente tout de suite, dites-moi. Ou si vous préférez que je présente au fur et à mesure en même temps que le projet, dites-moi aussi si vous trouvez que l'intro est trop longue. Hein, ça, je peux tout à fait l'entendre. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire un montage compliqué, mais je vais essayer. En tout cas, je vous souhaite du coup de belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir, de bien profiter, de bien vous reposer, passer un bel été et puis on se dit à bientôt. Bye bye! It's so